Allez, ça tout le monde, c'est Azeric Piracia. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 184 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors, l'ère du fléau. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part les amis, je vais très bien. Souvenez-vous du coup, dans l'épisode précédent, on s'était attaqué tout simplement à notre mission de combat, tout simplement qui était là, la grande fée des plaines. Et donc les amis, un mode difficile évidemment. Et aujourd'hui on va s'attaquer au fameux sauvetage sur la montagne. Donc avec Teba et Revali, je sais pas si on a des choses à faire avec Teba et Revali, ça fait ultra longtemps. Donc on va voir un petit peu avec Revali. Alors on peut fusionner des choses. Déjà une très très bonne nouvelle en soi. Hop, hop, on fusionne, on fusionne, on fusionne. Encore. Oh boy. Ok. Merci. 10. Ah, c'est vrai qu'il faut le garder l'autre. Hein. On ne pas se fail. Et ensuite, 26. Bon, bah, on va lock tout ça. Et avec notre cher Teba. Teba. Aïe. C'est pas fameux le tirage, c'est pas fameux. Pourquoi j'en ai gardé deux? Ah, certainement pour les level up, quoi. Oh, merde, j'ai failli faire une dinguerie. Attendez. Avec lui, il faut pas le toucher. Hein. Ok. Ok, 23, mais bon, pas pour le moment. Bon ben on y va, on y retourne du coup à notre mission de combat maintenant. Donc on va aller s'attaquer au sauvetage sur la montagne, dans lequel des soldats ont des ennuis dans les montagnes enneigées. Allez les secourir avant qu'ils ne gèlent sur place et conduisez-les dans un endroit sûr. Donc on peut voir qu'en ennemis principaux nous aurons un Cryorock, un Moblin de glace et des Moblin de glace plutôt et des sorciers de glace. Et oh fuck you. Oh what the fuck. Oh, what the fuck. Hey. Merci. Et du coup, voilà, ça fait longtemps que j'ai pas filmé de vidéo de ce jeu, ça se voit. Et du coup, ben, on va évidemment mettre notre cher Revali et en premier, et Teba. Voilà. On est tous les deux niveau 70 et quelques, donc... Alors, l'objectif, ça serait de... Ouais, j'aimerais bien... Alors d'ailleurs, je suis en train de penser qu'on est bientôt l'épisode 700. On va devoir faire l'épisode bientôt qu'on aime bien. Tous les 100 épisodes, mais... On attend le Hyrule Warriors version Tears of the Kingdom. Je me languis de malade. Concrètement, je sais pas s'il sera annoncé, sachant qu'au KO à l'heure actuelle, je vous parle, on est le 11 mai, donc pour moi, je sais pas si Nintendo Direct, enfin, je sais qu'il y a une Nintendo Direct prévue en juin d'après ce que Nintendo avait annoncé, mais c'est tout quoi, je sais pas, j'en sais pas plus. Tac. Donc faut sauver les victimes, hein. On ne bouge plus. Ah, au cas où, parce que vous n'êtes pas au courant, pour ceux qui suivent uniquement ce let's play, il y a eu au cas où une autre fois le Covid il y a quelques mois, là, un mois en tout cas à l'heure où je vous parle. Voilà, c'est pour vous dire que ouais, je l'ai eu encore un petit peu, donc après, c'est... ah, il fallait vraiment. Voilà. Donc du coup, bah, c'est pour vous dire que du coup, bah, ça fait deux fois depuis qu'on. Enfin deux, trois fois depuis qu'on a le. On a débuté ce let's play. Alors ça s'est bien ressenti, oh putain. Alors ça s'est bien ressenti tout simplement quand on est, on a été sur sur ce glace, on va l'éliminer. Dans Hyrule Warriors Definitive Edition et surtout dans Tears of the Kingdom. Mais ce qu'on révèle, il a pas voulu. Tac. Ça met un sommet, un Captain Ilien. Oh, le Cryorock. Ok. Merde, je suis con. Mais pourquoi je peux pas utiliser mes bâtons? Merci. En fait, on peut pas les utiliser en l'air, je vais comprendre. Allez. Ok. En plus, je crois qu'on peut lui monter dessus dans cette version aussi. Oh putain, on l'a bientôt eu.
Tac. Voilà, ça c'est fait. Tac. Putain, vraiment la musique d'Elite Rock. En plus c'est drôle parce que dans Zelda Tears of the Kingdom, on est en train de battre tous les boss géants du jeu. Donc avoir ça, c'est un peu drôle quand même, je vous avoue, mais bon. Hop. Vas-y. Parfait. Bon, on n'a pas perdu de réflexe. Hein. Tac. Parfait. Trop faible. Et on a réussi. Un mode difficile. J'avais sauvé la totalité des victimes. Bon, ben on a gagné quelques rubis supplémentaires encore. Eh ben on va pouvoir s'arrêter là. Alors, ok, donc c'est tout ce qu'on a gagné. Tant mieux. Putain, on a vendu plein de trucs. Ah oui, c'était les crocs de Moblin, il me semble qu'à l'époque on en avait énormément. On était à fond. Bon, ben écoutez. Alors si tu dis pas de conneries, du coup la lune de sang c'est Urbosa en mode facile, en mode normal c'est Revalil Guerrier Piaf et en mode difficile c'est Mipha. Donc là, on verra la lune de sang, on a possiblement 3 possibilités qui peuvent être bien. Ok. Ah évidemment elle n'est pas du tout au bon endroit. Bon bah écoutez, dans l'épisode prochain, alors je sais pas s'il sera la semaine prochaine, mais voilà, hein, je préfère vous avertir, mais voilà, Let's Play, il va quand même essayer de faire, enfin de revenir petit à petit, voilà, c'est pour vous dire, parce que j'avais envie de refaire un petit peu de ce jeu. On s'attaquera tout simplement à Ennemi en Marche, dans lequel bah, je pense qu'on le fera peut-être avec le gardien aguerri, je crois que c'est ça. Je crois que c'est le gardien aguerri, il me semble. Donc voilà, donc on essaiera de faire ça du coup dans l'épisode prochain. Merci en tout cas de m'avoir suivi pour cet épisode numéro 684 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Age of Calamity. Et on se dit à l'épisode 685. D'ici là, les amis, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace.